présent. On amène les étudiants de l'aspect digital, marketing et e-commerce de l'EBS au salon de l'e-commerce. En fait, ça leur permet d'abord d'assister à des conférences, d'approfondir leurs connaissances. Ça leur permet aussi de rencontrer des professionnels sur les stands. Ça fait deux jours qu'on est là, il y en a qui ont déjà des entretiens pour avoir des stages. Bah, ce qui m'a marqué le plus, c'est déjà le nombre de conférences et de gens qui nous apprennent vraiment leur compagnie et ce qu'ils ont appris et toutes leurs expériences, histoire qu'on puisse avoir vraiment les différentes expériences des différentes compagnies et surtout avoir une idée vraiment de ce qu'est le e-commerce avec un grand E, c'est-à-dire qu'avoir tout ce qui est référencement, SRM, SAS, voilà, tout ça, c'est des mots que je connaissais absolument pas avant. Après, en fait, on intègre ça dans une séquence pédagogique. On demande aux étudiants de faire un topo après, pendant 10 minutes à l'oral, pour expliquer un peu à la classe ce qu'ils ont compris d'un thème précis. Ça peut être les nouveautés dans le retail marketing, l'expérientiel, la personnalisation de la relation client grâce à Internet. J'ai travaillé pour Calvin Klein et Tommy Hilfiger. Et l'expérience digitale que j'ai eue chez Tommy Hilfiger justement, c'est qu'en fait les showrooms, donc quand l'acheteur vient pour acheter ses produits, a complètement été réaménagé, réagencé. Et donc du coup vous avez un grand écran, un mur digital où justement on peut toucher le produit, faire sa sélection, on peut le voir, on peut zoomer dessus, on peut faire défiler justement sur ces écrans géants, des vidéos de promotion avec les nouvelles campagnes, etc. Là, comme ça, de tête, je pense à celle qu'on a vue ce matin avec Instagram. Le maître de conférence appartenait à une start-up qui proposait d'ajouter des liens sur les photos produits qui permettaient d'arriver directement sur les sites marchands. Donc, je trouvais ça très intéressant. Moi, déjà, j'ai participé à cette conférence parce que c'est un outil que j'utilise moi-même dans mon activité professionnelle à côté de l'EBS parce que je fais de la musique et j'appartiens donc à un label. Ça m'apporte de la crédibilité vu que je peux aller proposer donc de nouvelles possibilités dans le cadre du digital. Je me suis ciblé sur le multicanal, donc c'est-à-dire comment optimiser sa vision et surtout son rendement au niveau de l'e-commerce sur Internet, sur la boutique physique ou même sur ton site Internet et sur tes réseaux sociaux. Je sais qu'au Canada, il est très développé. Après, aux États-Unis aussi, c'est très intéressant, justement, tout ce qui est Californie avec la Silicon Valley et tout ça, c'est quand même assez important. Et voilà, pour l'instant, après, il y a beaucoup de programmes de VIE. On confond souvent le digital avec la communication digitale. C'est toute la démarche marketing et business, en fait, qui est digitale de l'entreprise. Regardez une entreprise comme Uber, ils ont réinventé un business totalement. C'est pas que de la com, c'est tout derrière, c'est un business model. Le digital aujourd'hui, c'est cette transformation qui est importante pour les entreprises et qui touche absolument tous les services, les ressources humaines, le marketing, la stratégie. Je pense que c'est vraiment le master un peu du futur, hein, avec énormément d'emplois après à la clé. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Le domaine où il y a plus à prouver, le plus à découvrir et je pense le plus grand potentiel pour avoir sa place dans le monde du travail. Addictiz, nous on est une plateforme de création de jeux marketing pour les entreprises, pour les annonceurs et pour les agences. Donc on a industrialisé la création de jeux. Donc on a plus de 45 mécaniques 100% personnalisables qui vont pouvoir être diffusées à la fois sur les réseaux sociaux, sur site pour pouvoir créer de la data, donc pouvoir recruter du lead, des prospects, créer de l'engagement et pousser à la conversion derrière. 5 très belles années, beaucoup de rencontres. Il y a notamment la fameuse 3e année à l'étranger, hein, qui est un plus et qui se voit aujourd'hui très international. Un réseau très fort via des profs, mais aussi via les rencontres qu'on fait au sein de l'école avec des amis qui peuvent après se retrouver dans d'autres boîtes avec qui on peut se mettre à travailler. C'est toujours intéressant.